Bonjour, donc je m'appelle Anne-Sophie Mas, j'enseigne l'histoire, la géographie et l'EMC au collège de Morlaàs dans le département. Et je vais vous mettre tout de suite en activité. Donc vous avez le droit de prendre une fiche papier et de ne retournez pas les fiches tout de suite. La fiche papier, vous pouvez la prendre. Ne retournez pas les fiches tout de suite. Je vous montre. Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, je vous emmène dans l'Égypte pharaonique, à la découverte d'un des plus célèbres souverains de l'Antiquité égyptienne. Vous allez devoir résoudre 5 énigmes qui vont vous permettre de trouver un mot de passe. Attention, vous aurez une demi-heure pour réaliser la mission. Sinon, du côté obscur, vous passerez. Bonne chance. Je vous laisse travailler avec vos fiches. Je vous mets un petit compte à rebours au cas où vous dépasseriez. Au travail, vous avez les fiches plastifiées qui vont vous permettre de réaliser l'émission. Vous pouvez faire à plusieurs. Normalement, c'est le but. Hein. C'est pour ça que j'ai fait des îlots. Normalement, vous êtes 4 par îlot. On sera pas 4 en nous. S'il y a deux. J'ai rempli les fiches comme ça, j'ai pas. J'ai vu une fille qui était très contente de t'avoir vu. Pour la classe d'honneur, c'est vrai. Une collègue? Non, on ne connaissait pas. Et tu connaissais quelqu'un que je connaissais. Très contente. J'ai gagné 10 ans. Ça me fait plaisir, hein? Oui. Si moi je pouvais les gagner. J'ai raté le teaser du coup. Alors là, il faut qu'on réponde à tous les éléments. Une bonne personne, ils sont 11, chacun de son côté. Est-ce que c'est chronologique ou pas? Elles sont liées ou pas forcément? Si elles sont liées, puisqu'elles sont communes. La numéro 1, oui, ça sera peut-être lié. On marque en bouche. C'est les mêmes, hein. Oui, justement. Oui, d'accord. Un des deux. Voilà, on est trois. Oui, la photo. Oui, c'est ça. Oui, donc non. Donc en fait, il faut les créer, mais dans quel sens? Et qu'ils me font des choses très différentes parfois. Je ne sais pas quoi. Parce que je travaille. Ça c'est bien, c'est ça. Cléopâtre, oui. Que j'ai connu, c'est fini. Non, c'est pas elle. C'est né. Non, c'est Néfertiti. C'est en deux. Ah, mais ça ne se colle pas, ça. Oui, c'est le même. C'est un cas bon. Pourquoi les deux ça marche pas? Et ils ont pas de téléphone, les élèves. Ça fait rien. Ah là, c'est triché. Non, triche pas, c'est pas ça, c'est pas ça. Ok. Si, si, non, mais c'est. Il y a un truc qui va pas mal. C'est Arène. Je sais pas, téléphone est pas comme ça. Ça commence par un cœur. Non, c'est l'effertilité. Né, faire. C'est le H qui est impossible. Tout un camon. Mais il faut chercher quoi? Une question. On trouve tout un camon, et sur la 2, on trouve l'effertilité, mais on a. Mais c'est, vous faites souvent des mots croisés? Des mots croisés quand vous. Voilà.
Parce que là, vous avez une drôle de façon d'écrire, vous voyez. Ça, mes élèves ne m'avaient jamais fait ça. Oui, parce qu'il faut l'écrire comme ça. Voilà. Oui, c'est pas grave. Bah si, ça change tant. Non, mais parce ça change vous avez rien, commencé par... Par rapport à ce qu'on dit, ça change rien, parce que Nefertiti ne pense pas par rien. De quoi? Non, non, mais ça change l'inverse parce que vous l'avez fait. Vous avez commencé par écrire par en bas. Oui, parce que n'arrêtez pas, je l'ai déjà fait, c'est assez bien. Ah oui, d'accord. Ça, c'est une énigme. De quoi? Oui, oui, j'ai écrit une énigme, mais j'ai écrit le titre, il est dans ce sens. Vous avez marqué énigme, là. Vous avez fait ça, mais ça, pour qu'on sache que ça... Non, parce qu'il y a marqué énigme. Donc, on a suivi le sens. Donc, en fait, il fallait ça. Oui. C'est là, je dis, c'est très amusant parce que mes élèves n'ont jamais fait ça. Vous avez tous, en fait, on a cherché vous avez quasiment tous tourné la feuille. Parce que tu as marqué. Oui, je sais, mais mes élèves ne m'ont jamais fait ça. Donc c'est ce que je dis, c'est très. On réfléchit trop. Voilà, c'est pour ça, c'est intéressant de voir que. C'est madame qui tout de suite a ses mises en bon sens. Bonne élève de 6e. Ouais. Bon, c'est pas grave, faire titi, c'est bon. Enfin, non, moi, j'ai toujours regroupé tout avec c'est 2, 4. 4, c'est ça. Ça commence par un haut. Si, il y a une distance, ça commence par un haut. Bon, donc c'est 5 minutes. Oui, ça met devant. C'est quoi de 6, 4, 8 c'est quoi ce chiffre? On va avoir noté ici, on aura la réponse. Je passe où c'est. Je suis pas du tout à l'aide avec le même. Souvent utilisé pour représenter le durée.
comme Pharaon le roi sur terre. Ici, le faut construire sur ce lieu. Ici le majestueux en main. Oui, c'est moi. Je ne sais pas. Et moi, je peux suivre. Et tout. Tout le monde, c'est ça. Étant, c'est tout. Oui. Comment tu dis ça? Je ne sais pas, mais là, je vois qu'on avait un i pour. Ah, mais il faut l'écrire en français. C'est le trouver en anglais. Comment ça se dit? En français. Ah, oui. Elle. Les ailes, bah les ailes. Ah, l'aile. Oui. Oui, je suis sûr. Je crois qu'il nous manque le compte. Ah, mais on va déjà reporter, on va voir. C'est pas mal. Ah, non, bien sûr, j'ai vu. Oui. Ah, mais on a les indices, c'est une grosse 4. 6, je ne sais pas. C'est un arc que tu avais trouvé. 8, c'est un T. C'est un R. 7. Là. Le C. Le 4, là c'est un A, oui, tout le temps. Ah, là, là, le 3, c'est un A aussi. Eh bien, c'est possible, monsieur. Si, c'est possible. Ah, je pense que le même code, le même chiffre. Ça dépend mettre. Comment tu codes. Mais si c'est un codage, non. Bon, on imagine que ça, c'est pas bon. 5, c'est externe. Pour voilà. 6. Il n'est pas. On n'a pas. 5, 4. Ça, c'est parce que c'est un mot compliqué et que ce mot, je ne l'avais pas étudié. Ah, celui qui a des couvrages. Le quoi, les sourds du donc c'est E, c'est bien anglais. Les trucs là, chez les prix, là, c'est des Wings. Wings, c'est ça. Wings, les références pour les trucs. Ça nous a aidé à trouver. On a trouvé. Et c'est World Carter. Oh, sur World Carter. On ne sait pas juste parce qu'on savait déjà qui était Carter. Vous avez trouvé, mais vous n'avez pas résolu l'énigme 4. Ah oui, mais on va trouver. Ça, c'est la même chose que j'ai dit à mes élèves quand je fais des défis. C'est pas aller jusqu'au bout. Je vous ai vu ce sujet. Je vous expliquer parce que quelque chose qui fait en amour. Ça finit par un jeté. Non, c'est la dernière lettre. C'est la dernière lettre. Ah non. L'uniforme, c'est la sixième. C'est travailler en amour. C'est la sixième. En aval. Six. Cinq. Alors la deux, c'est quoi? Celui-là, tu l'as exploité, celui-là. Non, mais c'est. D'accord, on voit pas la lettre. Oui, c'est ça. C'est d'accord. 1, 2, 3, 4, 5. Ça vous dit rien du tout. Ici, c'est la dernière. Pour moi, ici, c'est celle-là. C'est la première lettre de chacun des mots. Donc, il faut que vous repreniez la première lettre de chacun des mots et que vous essayiez. Attends, le R, on l'avait déjà. Ouais, mais attends, c'est. Sauf que ce mot, il y a pas. C'est un mot. Après, on a trois lettres. Voilà, il suffit de les mettre. Non, je pensais qu'il fallait créer un lien entre ces mots. Je vais demander la première lettre. C'est l'alphabet. Prends la première de chacun. C'est l'alphabet militaire, ça. Tango, delta, alpha. Ah oui, là, ce serait un amalgame. Voilà. Et pour la 5, c'est pour la 5. Oui, c'est pour la 5. Ah bah oui, c'est l'anglais. D'accord. Mais non, il n'y a pas de point final. Donc c'est le dernier. On n'a pas de. J'aurais dû mettre le point ici. Non, c'est la dernière pour moi. Ah oui, tu fais de l'interdisciplinarité. Il y a une énigme en anglais. Donc on l'a. On l'a. Le 2, c'est en haut. On l'a.
le 1, là aussi c'est le 4. Voilà, il y a deux lettres qui sont... T et U. Ah, où est-ce que vous avez trouvé le T? Ah oui. Oui, oui, d'accord, le T. Mon avis, c'est pas la première. Mais c'est parce que vous avez la... Oui, alors, ce sont celles qui sont numérotées, que vous pouvez déjà mettre. Non, c'est un G. Dernière. Non, j'ai pas de T, c'est un G en plus. Donc il vous reste le J. Pourquoi le J? Oui, parce que ça, c'est un J. Juliette, il vous reste le J et le U. Donc essayez de voir ce qui vous paraît le plus logique. Vous vous mettriez le U plutôt ici ou plutôt là? Le U, ça c'est bien le D. Oh, je dis un duet. J. Ah, si, moi je mettrais le J ici. Et le U, le Jat. C'est Ujat. Ujat. Alors, comme je disais aux autres adultes qui sont là, nous on a travaillé en amont. Donc là je vous explique. Ça c'est l'escalier, mais les élèves travaillent en amont avant ça. Parce qu'ils n'arrivent pas, évidemment, ils n'arrivent pas tout nu ici. Moi je ne l'ai pas fait avec vous parce que bon, c'est pas. Voilà. Normalement, on va faire vraiment des connaissances. C'est combien le temps de jeu à peu près estimé avec des élèves? Avec des élèves, je leur laisse une demi-heure. Voilà, c'est alors. J'ai tout vous expliquer maintenant. Comment on commence. C'est pas un peu pour une demi-heure. Ah, mais t'as déjà fait le. Non, mais voilà, je vais vous expliquer. Comme ça, là, je voudrais juste te laisser terminer. Le format est bien avec le. Voilà. C'est. Ça, c'est bien. Moi, je vais multiplier par 3 minutes. Si on est un quart d'heure, moi, je dis qu'il leur faut 15 minutes. Quand je fais une activité, moi, sans le plus. Bon, alors, si vous voulez bien, le groupe qui a trouvé, et madame, justement, qui a été très forte, va venir rentrer dans votre place. Donc, je vous laisse la place ici, venez, sans majuscule et sans espace. Alors, vous rentrez dans votre place. Pas d'espace. Pas d'espace. Voilà. Avec Carrefour, vous avez le pouvoir de payer moins cher. Quelle chance. Ça fait partie de ce qu'elle veut. On va trop cher. Voilà. C'est l'exposition la plus attendue de l'année. On l'annonce depuis des mois déjà comme l'exposition du siècle, rien que ça, en référence à celle qui s'était donnée il y a... Alors, je ne vais pas vous passer l'intégralité de la vidéo. C'est une vidéo de 4-5 minutes de présentation qui présente donc l'exposition Toutankhamon qui a eu lieu l'année dernière à Paris. Je vais faire comme je fais d'abord avec mes élèves. On va reprendre justement les énigmes pour savoir, celles qui vous ont paru difficiles, comment vous avez fait pour trouver... Avant de passer à ça, pour éviter ce problème des pubs, tu peux enregistrer ta vidéo sur ton ordi. Oui, et faire un lien interne. Je sais qu'il faudrait que je fasse... il faut que je la télécharge, la vidéo, alors j'enregistre avec Download Helper, c'est ça par exemple. Il y a plusieurs extensions. Voilà, je sais qu'il faut que je me décide à faire ça, pour l'instant je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai pas toujours réussi à le faire. Je fais ça tout le temps. Oui, oui. Parce que là, si elle met un lien sur son truc, ça va pas le faire. Si, elle fait une page web, c'est qu'elle met le lien, c'est pareil. Elle met un lien interne. Voilà. Ouais. Bon, d'accord. Alors. Ou tu le mets en ligne quelque part. Vous avez promis. Oui, c'est ça, il faut le mettre en ligne. Qui veut expliquer un peu comment vous avez fait? Ah oui, comment s'est organisé? Comment vous êtes organisé? En fait, on n'a pas. Nous. Excusez-moi. On n'a pas. On a fait tous les trois ensemble, mais on a essayé quand même d'anticiper pendant qu'il faisait la 1, j'étais en train de regarder la 3, pour essayer de gagner du temps, parce que quand on a vu qu'il n'y avait pas forcément de lien chronologique, puisque c'est des mots croisés, on peut travailler la collaboration, c'est pas mal. Voilà. Enfin, la coopération. Alors, ça, voilà. Souvent, c'est ce que les élèves. Moi, j'ai choisi de faire un escape game qui n'était pas linéaire, qui était sous forme de. Donc, de mots croisés. Et c'est pour ça que très souvent, vous, j'ai vu au départ, vous avez pris bien l'énigme 1, l'énigme 2, etc. Souvent, les élèves, ils se répartissent. Moi, c'est ce que j'ai observé. Voilà. Ils se répartissent et quand quelqu'un bloque, les autres viennent regarder. Attends, on va t'aider. Voilà. C'est plus facile pour les élèves qu'il n'y ait pas un ordre. Voilà. Parce que si je bloque au premier, ils sont foutus.
Je crois aussi. Moi, je travaille avec des élèves de 6e, 5e, 4e, donc il ne faut quand même pas faire des choses trop compliquées. Après, ça nous a peut-être paru difficile sur certaines choses, mais vous allez voir qu'en fait, en amont, je les ai préparées. D'accord ? Donc, je vais peut-être vous montrer directement quand même mon diaporama, comme ça, après, on y viendra si vous avez des questions. La petite carte que je vous ai distribuée, donc c'est la carte qui vous amène sur ce diaporama Géniali, donc que j'ai créé pour pouvoir vous présenter ma façon de travailler, donc c'était ce qui est pédagogique en histoire et géographie. Donc, alors, je ne sais pas si... Alors, par contre, ouais, c'est ça, ce n'est pas une présentation normale, alors ça ne marche pas avec ça. Je pense qu'il faut que je reste là. Voilà. C'est comme le temps. Hein. Voilà. Alors, donc, vous verrez que bon, je vous explique d'abord pourquoi faire un escape game, comment faire, comment j'ai fait en histoire géo particulièrement, et récapituler un certain nombre d'étapes pour ne rien oublier. Bilan et perspective, je serai très rapide parce qu'en fait, c'est quelque chose que j'ai commencé assez récemment, il y a moins d'un an, et donc je suis vraiment pour l'instant au stade de l'expérimentation. Avec toute l'humilité que j'essaie de mettre derrière, ce n'est pas parfait. C'est un modèle pour l'instant que j'expérimente. J'essaierai de faire mieux par la suite, mais j'ai l'impression d'en être qu'au début pour l'instant de ce que je pouvais faire. Donc je vous ai remis quelques petites informations justement sur les spécificités des scan games. Je vous laisserai regarder tout ça justement en flashant le QR code. Pour vous rappeler ce que c'est qu'un escape game, hein, vous savez sûrement, ça nous vient justement, c'est dérivé des jeux vidéo, ça nous vient du Japon. Si vous cliquez ici, alors je ne sais pas si vous connaissez tous les Géniali, vous avez donc des éléments interactifs qui vous sont montrés grâce à ça. Si vous cliquez ici, vous avez justement une fenêtre qui s'ouvre pour vous montrer. Ah ben ça marche, j'avais peur que ça ne marche pas. Voilà, là un exemple d'escape game véritable, entre guillemets, hein, qui a été créé. Qui n'est pas pédagogique et qui vous montre un petit peu ce qu'on, pourquoi, enfin, de quoi on est parti à la base quand on s'est mis à vouloir décliner ça sur le plan pédagogique. Donc voilà, arrivé à Londres en 2012 et c'est devenu, vous le savez tous, un phénomène mondial puisque beaucoup d'entre nous ont déjà été faire des escape games, bien évidemment en dehors de nos pratiques professionnelles. Donc un escape game pédagogique. Alors, les injonctions à la transformation, à l'innovation, à l'expérimentation n'ont jamais été aussi nombreuses, voilà. Donc, des enseignants se sont emparés de cette activité pour l'intégrer à leur pédagogie dans le cadre d'une ludification des apprentissages. Alors, je reprends ce terme de ludification des apprentissages parce que c'était le sujet d'Aidos de l'année dernière. Et que c'est justement en assistant, je vais en reparler dans la présentation, à un atelier sur les escape games l'année dernière, que le virus m'en a pris, voilà. Donc, un atelier qui a été animé par Émilie Lebré, qui est enseignante en allemand. Et donc, j'ai choisi de me lancer dans l'aventure. Donc, je vous laisserai voilà, détailler plus tout cela. Les objectifs d'un escape game, donc justement, là, je vous ai remis une petite présentation qui vient justement de la présentation Géniali d'Émilie Lebré en date de l'année dernière. Donc voilà, je cite mes sources, ce n'est pas moi qui ai fait ça, mais c'est un travail très intéressant. Donc rendre l'élève acteur de ses apprentissages, bien sûr, lui permettre d'apprendre en s'amusant, développer la coopération, tu l'as dit, entre élèves, et stimuler bien sûr la motivation des élèves. Je crois qu'on a tout à gagner en essayant de leur montrer comment apprendre autrement. Moi, je fonctionne de la façon suivante. Donc, les spécificités d'un escape game, j'ai envie de dire de mon escape game. Là, je vous ai mis tout de suite en activité, parce que, bon, j'estime que vous êtes des adultes, vous allez trouver les clés assez facilement, mais la durée est limitée par séquence de cours, bien sûr. Je mets d'abord 5 minutes de consigne. Hein. Je commence d'abord par 5 minutes pour expliquer un petit peu les règles du jeu, puisque je suis quand même un peu maître du jeu. On peut aussi, Émilie l'avait expliqué, peut-être demander à un élève, mettre un élève dans la confidence et demander à cet élève de faire le maître du jeu. Ça peut être aussi une autre façon de faire travailler la collaboration, la coopération. Donc 30 minutes de jeu, ça arrive que ça soit moyen, des élèves qui trouvent assez vite. Mon parti pris, ça a été les groupes
de les laisser choisir. Je fais un petit peu, vous savez, comme quand on faisait des balles aux prisonniers. Chaque personne choisit tour à tour la personne de son équipe. Moi, je désigne 3 élèves, puisque je fonctionne avec 2 demi-groupes. Et ces 3 élèves, chacun à leur tour, prennent un copain, quelqu'un qu'ils estiment fort dans leur équipe, et se constituent donc une équipe de 4 personnes pour pouvoir faire l'escape game. Et 15 minutes de débriefing à la fin pour savoir voilà, comment on a trouvé, qu'est-ce qui était difficile, sur quoi on a coincé. C'était vraiment très intéressant ce que vous m'avez montré tout à l'heure, parce que seule madame qui fait les mots croisés a tout de suite mis dans l'ordre. Ça n'est jamais venu à l'idée que parce que j'avais mis le mot énigme de biais pour bien montrer. Pour moi, ça ne voulait pas dire que le mot devait être écrit dans l'autre sens. Pour moi, l'affiche se tenait bien dans un sens précis, et donc tout s'écrivait voilà, dans le même sens précis comme un mot croisé. Voilà. Alors, moi, j'ai fait le choix d'un espace contraint, celui de la classe. Je sais que j'ai des collègues qui ont emmené nos élèves de 3e faire un escape game au lycée Bartou à Pau en allemand hier, et qu'ils ont fait cet escape game dans les sous-sols de Bartou. Je me vois mal commencer à cavaler à 50 ans derrière les élèves de 6e partout dans le collège. Et puis, on ne sait jamais, voilà. Je préfère l'espace contraint de la classe. Donc, à réaliser de préférence en demi-groupe, sauf classe à effectif réduit et particulièrement calme, les classes de moins de 25. Mais c'est vrai que je privilégie le demi-groupe quand c'est possible. Je vais réaliser cette escape game que vous avez fait avec les 6e début février. J'ai la moitié de la classe qui va partir au CDI avec donc, la documentaliste qui me file un coup de main en faisant travailler l'autre groupe. Voilà. Un sujet imposé dans le cadre du programme d'histoire géo MC. Donc la collègue d'histoire géo qui est ici présente, c'est comme moi que l'Égypte, on n'est plus censé faire grand chose. Or avec l'expo tout en camon, je me suis dit mais quel dommage. Donc je me suis dit on va travailler autrement. Ça va nous prendre justement que le temps de l'escape game en cours, mais ça va nous permettre voilà de faire quand même. Voilà, une première approche quand même de l'Égypte antique, ça peut être intéressant. Je l'ai réalisé aussi l'année dernière pour un chapitre de fin d'année qu'on n'a jamais le temps de traiter, qui est conditions féminines dans une société en mutation. Alors là, il y a énormément de choses intéressantes à dire hein, sur ce thème, et on n'a jamais le temps de le faire en fin d'année, donc là, on peut s'en donner à cœur joie et puis prendre une heure pour travailler là-dessus avec les élèves. Alors, donc, comment faire? Il y a une multitude de ressources qui existent et une grande variété d'escape games. C'est ça qui peut peut-être faire peur au départ si on se dit, mais mon Dieu, mais qu'est-ce que je vais faire, mais comment je fais, par où je commence, etc. Donc, la genèse un petit peu de tout ça pour moi, ça a été l'atelier de l'année dernière, donc le 30 janvier 2019, animé par Émilie. De janvier à juin, j'ai construit 4 escape games. Pour tout vous dire, à la suite de l'atelier, j'ai trouvé ça tellement enthousiasmant, je me suis dit, il faudrait que je sois en arrêt maladie une semaine pour avoir le temps de préparer quelque chose. Je n'ai pas pris cet arrêt maladie, mais nous avons quand même quelques vacances scolaires, et puis j'étais tellement enthousiasmée par le projet que je m'y suis attelée, parfois des week-ends entiers où j'ai travaillé là-dessus, pour pouvoir justement créer au fur et à mesure 4 escape games de la 6e à la 4e en histoire au départ, donc je suis historienne de formation, donc sur ce modèle que je vais vous présenter plus précisément, que j'ai systématiquement dupliqué. Il y a plein d'autres choses à faire et peut-être probablement plus passionnantes. Moi pour l'instant j'ai peur de ne pas réussir mon coup, donc je peaufine d'abord mon modèle et je me dis je vais commencer quand je verrai bon, les élèves ou ils en auront trop fait du même modèle, comment ça se passe, je pourrais commencer à essayer de diversifier un petit peu. Rentrée 2019, j'ai dupliqué le modèle pour la première fois en géographie en 5e. Je me suis fait plaisir juste après Lubrizol pour leur faire un escape game sur prévenir les risques technologiques. Donc, et en janvier 2020, donc, nous sommes ici. Alors, la première chose avant de se lancer, j'ai envie de vous dire, consultez les nombreuses ressources spécialisées, notamment le site
suggérée par Émilie Lebray. Donc si vous cliquez ici, vous avez l'accès directement sur ce site, ce site d'Escape Game. Donc là, c'est pour la contacter, mais vous fouillez partout. Voilà. Il y a plein de choses très très intéressantes à trouver. Ou celui-là, c'est un autre lien qu'elle nous avait donné, qui est un autre site animé par, je ne sais plus son prénom, donc Madame Ken, je crois. Donc là, c'est la base pour les escape games. Donc, vous avez aussi le lien sur donc, mon propre diaporama. Un petit conseil, ne vous laissez pas déborder par la somme des possibilités. Lancez-vous, faites-vous confiance, vous avez le droit d'expérimenter. Ça, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Ne vous dites pas, ah non, mais c'est trop dur, ou enfin, c'est trop compliqué, j'y arriverai pas, ou j'ai pas le temps. Hein? Si vraiment ça vous emballe, il faut se lancer, il faut accepter que le premier ne soit pas forcément très bien réussi. Je ne sais pas si je l'ai mis après, je crois que je l'ai mis comment j'ai fait après, parce que, effectivement, je vous en parlerai, mon premier, il n'était pas top. Voilà, il y a des ratés, ça ne s'est pas forcément vu du côté des élèves, et moi je me suis dit tout de suite, oh mon Dieu, mais ça ne va pas. Donc, faire cependant donc, attention aux contraintes physiques, humaines, matérielles. Il est évident que si vous avez besoin, par exemple, pour un type d'énigme, on peut s'amuser à faire apparaître un mot. Quand toutes les lettres sont de couleur différente, si on met un filtre rouge, le mot apparaît. Donc il ne faut pas oublier son filtre rouge, évidemment. Donc ça, il faut prévoir à l'avance. Bah, son filtre rouge, ce n'est pas évident à trouver. Donc parfois, vous vous retrouvez à découper des protège-cahiers pour vous fabriquer vos filtres rouges, etc. C'est des petites contraintes matérielles auxquelles il faut penser. Voilà. Contraintes humaines, ça peut être si vous vous décidez à faire quelque chose où il faut bouger dans l'espace, évidemment, si vous avez des élèves en fauteuil, etc., ça peut être plus compliqué. Donc voilà. Bien faire attention au départ à vos contraintes, la contrainte du temps, si vous prévoyez quelque chose qui est trop compliqué, ça peut être un problème aussi. Réfléchir bien sûr aux compétences à faire travailler, aux notions et connaissances que l'on veut transmettre. Donc là, je vous ai mis un certain nombre donc, de fiches de préparation qui viennent aussi, je crois, de Émilie ou de sa collègue, en tout cas c'est les deux, donc ça c'est pas mon drive à moi, c'est leur ressource à elle, qui sont des fiches qui permettent justement de réfléchir, de préparer en amont les compétences, etc., sur lesquelles on veut travailler. Trouver un scénario et concevoir des énigmes. C'est pour ça que moi, ce que j'ai décidé de faire donc, dans le modèle que je vous ai proposé, c'est cette petite mission qui est lancée par un personnage, donc une petite vidéo 30 secondes, avec systématiquement donc ce mot croisé, hein, 5 énigmes, un mot croisé de ces 5 mots à trouver, avec donc des mots que, vous voyez, Oujad, finalement, on pouvait trouver à la fin, si on avait tout trouvé le reste, il ne nous restait plus que 2 lettres à placer, il suffisait d'être logique. Bon. Et dans tous les cas, on n'avait pas besoin du mot entier pour trouver le mot final. Créer une affiche ou un teaser annonçant la mission. Donc, c'est ce que je fais aussi. Je vous ai mis ça. Moi, ça, c'est ce que je leur redonne à la fin. Je le mets sur le MD du collège. Ils ont l'affiche, comme ça, viens visiter l'Égypte autrement, flash le QR code, s'y contre, donc, et voilà, part sur les traces des pharaons. Et le QR code leur permet de revisionner la vidéo de présentation, les 30 secondes de le petit personnage. Ça permet, voilà, de montrer éventuellement à leurs parents ce qu'ils ont fait en classe, etc. Donc ça, je ne leur donne pas avant, parce que je ne veux pas qu'ils aient vu le début de la mission avant, mais au moment où je remplis mon cahier de texte, où je fais l'escape game, je mets donc ce document en pièce jointe, et puis c'est affiché dans ma classe, parce que bon, je commence à avoir des jolies petites affiches de présentation, comme ça, au fur et à mesure de mes escape games, et voilà, je leur montre ça. Et la vidéo de présentation, c'est vous qui l'avez conçue ou... Alors, je vais vous expliquer justement comment on fait l'application. Parce que ça, donc, en histoire géo, voilà, c'est ici que je vous présente exactement comment j'ai fait point par point. Je choisis mon sujet.
Donc ça peut être que je vous lisais un chapitre que vous n'avez pas le temps de traiter, condition féminine dans une société en mutation, ou un point du programme que vous souhaitez approfondir, là je vous ai montré, sur les traces des pharaons. Une fois que vous avez choisi votre sujet, moi ce que je fais en amont justement, je vous disais, c'est que je prépare le contenu, un petit peu comme je ferais un cours à l'ancienne, avec un grand 1, grand 2, grand 3, petit 1, petit 2, des documents, etc. Alors je vais vous montrer justement, moi je prépare ça sous forme d'un diaporama Géniali que je donne à mes élèves 15 jours avant. Donc je mets le lien sur le MT du collège et quand ils cliquent sur le lien, ils ont ça qui, voilà, ça s'ouvre. Donc sur les traces des pharaons, ils découvrent, alors évidemment, ils ont des documents avec la source, etc. Ici, ils découvrent qu'ils ont, alors ça je leur montre en classe quand même comment il faudra lire ce diaporama, ils découvrent qu'ils ont des indices escape game. Et si, par exemple, ils cliquent ici sur cet indice, ils apprennent que cette fresque ornait le mur ouest de la chambre funéraire du pharaon Toutankhamon. Comme ils savent que c'est un indice escape game qu'ils doivent avoir bien révisé, ils se souviendront, peut-être l'un d'entre eux, qu'il y a un H à Toutankhamon. Et ce sera plus facile le jour de l'escape game. Donc celui qui a bien révisé en amont l'escape game, c'est les doigts dans le nez, parce qu'il y a toutes les réponses. Donc par exemple, alors ici, donc, j'en profite en même temps voilà, pour faire un petit peu mon petit cours à l'ancienne. Hein. Donc ma petite carte de l'Égypte, le maître des deux terres. Voilà, ici donc je montre le pharaon, donc je leur explique hein, les différents. Et puis je rajoute mon petit indice esrégain pour rappeler que les vautours et les faucons sont très présents dans la symbolique égyptienne. Que le faucon est l'attribut du dieu Ré, symbole de ce vivant, ici, représenté en déployant ses ailes. Alors j'en profite parce que l'année dernière je me suis rendu compte pour leur dire ce que veut dire déployer, parce qu'en sixième ils ne savent pas, voilà, et leur rappeler que les ailes en anglais ça se dit wings, voilà. Parce que le texte anglais que je vous ai mis, c'est quand même un texte assez facile à comprendre. Donc, en général, en sixième, à cette époque-ci de l'année, il y en a toujours un qui est un peu plus fort dans le groupe, ils savent traduire. Donc là, je parlais des bâtiments, enfin, etc., je leur montrais ça. Ici, donc l'écriture au service du pouvoir. Auparavant, on a fait un petit travail sur les premiers états et les premières écritures. Donc ils ont déjà entendu parler des hiéroglyphes. Ici, je leur ajoute ce petit indice. En leur expliquant quand même, parce que la prof d'histoire géo pourrait me le dire, je leur explique quand même que ça c'est juste pour s'amuser, mais qu'il n'y a pas d'alphabet égyptien, c'est faux. Ça n'existe pas. On le fait juste pour s'amuser. On va l'utiliser pour s'amuser, ce n'est pas un alphabet. Il n'y a pas d'alphabet égyptien. Hein, parce que quand même, rétablir la vérité historique, là, ce sont des idéogrammes, ce n'est pas un alphabet. Ensuite, voilà, donc les tombeaux, je leur rappelle, donc ici la momification, pour leur parler, pourquoi je leur parlais du cas, je leur parle du cas au moment pour les vases, hein. La momie, une fois préparée, voilà, sera diffusée. J'en profite pour faire la promo de mes jolies photos, parce que c'est des photos que j'ai prises moi-même au moment de l'exposition, donc j'ai pu voir, voilà, en vrai, ces fameux vases, les canopes qui permettent de conserver les viscères. Voilà. Et ensuite, donc, il nous reste, voilà, le tribunal d'Osiris, donc je leur explique comment le mort passe devant les différents intervenants. Et ici, ils ont ce petit détail de papyrus qui représente, donc, le Hidjat, un motif très fréquent destiné à protéger donc, du mal quand il va par paire, l'œil droit représente le soleil et l'œil gauche la lune. Donc ils ont entendu parler de ce fameux Hidjat. Et voilà, à toi de jouer, donc je leur explique. Maintenant, si tu as bien révisé tout ça, tu seras au point pour l'escape game. Je reviens donc sur la suite. Une fois, donc ils ont 15 jours pour aller en autonomie et réviser tout ça à la maison ou au CDI. Et là, je vais faire le lien parce que je ne l'ai pas vraiment fait dans mon diaporama, mais sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, qui est l'école inclusive. Un élève en difficulté, qui n'aime pas voilà, montrer qu'il lui faut beaucoup de temps pour aller, là, c'est à lui de gérer, en demandant de l'aide ou pas, la documentaliste, ça peut se faire, aux parents, mais voilà, il n'est pas dans cette contrainte de temps, du temps de classe, il travaille.
travail en autonomie, c'est à lui d'aller voir de manière différente. Après, c'est vrai que là, pour le coup, on pourrait peut-être envisager, mais c'est peut-être une idée que j'aurais maintenant, que toutes les traces écrites soient audibles, parce qu'on peut aussi rajouter du son. Donc, vous voyez, par rapport à ce qu'on vient de faire aujourd'hui, c'est peut-être ce vers quoi je dois améliorer mes diaporamas. Là, c'est tout l'intérêt aussi pour les intervenants de venir assister à l'intégralité de la journée. C'est que si je devais changer quelque chose là maintenant, la première chose que je me dis, il faudrait que dans mes diaporamas, mes traces écrites soient, qu'on puisse les écouter aussi pour les élèves à besoin particulier. Il faudrait faire en classe. Enfin, moi, mes élèves de CEPPA, ils ne le regarderaient pas à la maison. Oui, voilà. C'est le problème aussi de ceux qui ne sont absolument pas soutenus et qui ne font pas les devoirs à la maison. Moi, de ce point de vue-là, la classe inversée, je ne crois pas. Après, l'intérêt du CDI aussi, peut-être qu'une fois qu'on s'est dit, ça regarde le diapo. Voilà, ça peut se faire aussi. Il y a différentes choses à mettre en place. Après, le diaporama, les diaporamas, c'est moi qui les ai conçus à chaque fois. Donc, ça demande le temps que ça demande de préparer un cours, c'est-à-dire quand même pas mal de temps. Comme nous, on a l'habitude de préparer les cours, le diaporama en lui-même, j'arrive à le boucler en une journée, mais il me faut la journée entière pour mettre en page tout ça. Aller chercher les documents, mettre les sources, etc. Avec quoi tu l'as fait, le diaporama? Pardon? Avec quoi tu l'as fait? Donc, c'est toujours génial. Voilà. J'avais expliqué, je ne sais plus si j'ai lu ce que j'avais dit. Avant même de concevoir les skateboards, donc je prépare ce que je voudrais transmettre. Voilà, c'était ça. Ensuite, je prépare un mot croisé de 5 mots-clés qui ont été insérés dans le diaporama. Donc pendant que je prépare mon diaporama Géniali, il faut que j'ai déjà en tête les mots-clés, il faut que j'ai déjà vérifié. Et c'est là où j'ai vraiment pêché la première fois. C'est-à-dire que j'ai fait mon premier escape game sur Athéna, enfin sur la Grèce antique. D'abord, mon diaporama était, à mon avis, un peu trop ambitieux dans toutes les connaissances à apporter. Ensuite, le premier mot donnait déjà toutes les lettres de... Je ne savais pas. Bon, voilà. C'est des choses, on n'a pas l'impression que... On se dit juste, il faut juste que ça s'emboîte. Mais en fait, l'idéal, c'est que chacune des énigmes apporte... Alors, l'idéal, c'est quand le mot de passe final est quand même suffisamment long, avec des lettres différentes, pour que chacune des énigmes apporte 2 lettres, par exemple, du mot de passe. D'où le mot « wings », parce qu'il n'y a pas beaucoup de mots en français avec un W. C'est pour ça que j'ai intégré l'anglais dans, ici, ma présentation. Donc ça, c'est une petite gymnastique cérébrale qui s'améliore au fur et à mesure, Alors, j'ai oublié de vous montrer aussi que, puisque je vous ai dit, il y a des éléments interactifs, donc ici, c'était juste, ce petit truc-là. Ici, parmi les éléments interactifs, vous avez ça, plus d'infos. Donc là, je vous ai rajouté la solution, mais vous avez rien trouvé si vous voulez juste un petit souvenir. Donc, les 5 mots doivent permettre de découvrir la solution qui correspond. Moi, ce que j'ai bien aimé faire en histoire jusqu'à présent, c'est au nom d'un personnage célèbre. Voilà. Parce que ce personnage, je le reprends dans mon teaser, dans ma vidéo teaser, c'est Howard Carter qui parlait au début. Donc ceux qui ont repéré qui était Howard Carter peuvent se dire « Ah, ça colle effectivement hein, pour... Si on a le temps, encore 2 minutes après, je vous montrerai pour conditions féminines dans une société en mutation. J'ai trouvé un joli portrait de George Sand, donc je fais parler George Sand, et c'est le mot de passe final. Voilà. Ensuite, donc, j'élabore mes énigmes. Alors là, je vous ai livré toute la bibliothèque, encore une fois, de ressources que m'avait donné Émilie, avec tous les sites possibles, etc. Donc vous avez tout ça. Là, si vous... Voilà, tous les liens. Il y a plein de choses à faire. Oui. Plus ou moins facile à utiliser. J'ai fait des trucs avec en utilisant le portable, etc. Les élèves de 6e, ils n'ont pas tous un smartphone. Les parents tombent dessus en disant, mais qu'est-ce qu'elle veut la prof? C'est quoi du coup? Donc, je résume un petit peu, mais c'est... Il y a des choses, voilà, j'ai tenté des choses. Pour l'instant... j'aime bien fonctionner avec les charades. D'ailleurs, les charades, en général, maintenant, c'est moi qui les crée moi-même, parce que la gymnastique de l'esprit qui fait qu'en fait, les rébus, vous avez des sites pour vous créer les rébus, tout
simplement. L'alphabet, alors donc, oui, j'ai trouvé qu'en fait, utiliser l'alphabet militaire, c'était très pratique. Les élèves n'ont pas forcément le déclic, donc on peut le faire au moins une fois, hein, pour qu'après, ils prennent l'habitude, évidemment, de prendre la première lettre du mot. Bref, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à utiliser pour... Il y a le braille aussi, ça c'est... voilà, pour coder en braille, enfin, on peut coder en morse, on peut faire plein de choses. Donc, il faut aller explorer ces sites, voir comment on peut utiliser. À vous de vous lancer, de tenter. Donc, vous avez le lien qui est ici. Donc, vous voyez, je vous ai mis charade, rébus, cache-site, cryptogramme. Il y a plein de possibilités de construire des énigmes. Toujours dans l'idée, j'élabore... Ah non, c'était j'élabore des énigmes. J'en ai fini. Pour préparer le teaser, voilà, comme je vous ai dit, il s'agit d'aiguiser la curiosité. Donc, je cherche une photo ou le portrait d'un personnage clé dont il faut trouver le nom. Ça, c'est ce que j'ai décidé donc de faire. En histoire, en géographie, je le procède autrement. Je trouve la photo, j'ouvre la photo, pardon, sur l'appli Morpho, disponible uniquement sur iPhone. Donc ça, ça a été mon gros souci, vu que je n'ai pas d'iPhone. Voilà, j'ai une solution de repli, j'ai une fille de 17 ans qui a un iPhone. Donc, je trouve la photo, je lui envoie la photo, hein, elle me la prépare, donc elle me la met dans l'appli, et ensuite, elle vient à côté de moi, et elle lance donc cette appli, et je parle pendant, donc j'ai préparé mon texte en amont, je parle pendant 30 secondes, et les lèvres bougent, donc le personnage s'anime en même temps que je parle, et donc ça me permet, voilà, d'enregistrer le texte de mon teaser. Et ensuite, elle me renvoie le résultat final voilà, via les réseaux sociaux. Hein. Et puis, je transfère donc le résultat sur mon compte YouTube afin de pouvoir copier son URL et créer le fameux QR code. Donc, attendez, je vous montre peut-être. Voilà. Donc là, vous avez le lien. Bonjour et bienvenue dans Secret d'Histoire. Aujourd'hui, je vous... Comme vous voyez, vous avez le lien directement. Donc là, vous avez mes autres teasers. Alors, il y a juste autre chose, là, puisque c'est mon compte YouTube à moi qui est public. Celui-là, il doit être... Normalement, je pensais qu'il était privé, on ne trouve pas. C'est parce que je suis aussi dans un atelier de théâtre, donc ça n'a rien à voir. Mais tous mes teasers, ils sont ici, à savoir que celui de... Voilà, ça, c'était le premier. J'en suis moins fière, donc je pense que celui-là, je vais le remanier assez prochainement. Un teaser sur le théâtre au Moyen-Âge, puisqu'un de mes autres dadas, c'est aussi le théâtre. Je travaille en partenariat avec l'enseignant de français donc, sur l'atelier théâtre. Donc j'ai pris un personnage de Game of Thrones, mais ce n'est pas elle, c'est pas son nom qui est le mot de passe. Pour prévenir les risques, j'ai pris un petit pompier, vous voyez, donc George Sand ici. Donc, je copie son URL et ensuite. Je crée un QR code à partir d'une URL de mon enregistrement sur YouTube. J'effectue une capture d'écran de ce QR code parce que quand on veut rester en mode gratuit, c'est plus compliqué parfois d'avoir le droit d'enregistrer le QR code. Alors là, je vous ai mis le lien par exemple sur ce site que j'utilise. Hein. Vous entrez votre URL ici, vous validez, vous choisissez, donc ça vous crée le QR code. Moi, je fais une capture d'écran du QR code et je vais donc. Je vous montre ça. Je vais donc coller mon QR code ici sur la fiche que j'ai préparée auparavant. Voilà. Donc je fais une petite affiche, j'essaie de faire une petite affiche un peu fun en disant voilà, viens visiter l'Égypte autrement. Alors je ne sais plus, je peux vous montrer mes autres affiches, je dois les avoir sur mon drive, mais voilà, je n'ai pas tout mis là pour l'instant, mais c'est bon. Et pour le dénouement, donc la résolution des énigmes doit permettre d'accéder à une ressource supplémentaire, une sorte de récompense pour les efforts accomplis. Alors, ce bonus peut prendre la forme d'une vidéo. Bon, là, pour l'instant, c'est là que je ne suis pas encore, je trouve, assez au point. Il faudrait quelque chose de bien appétissant quand même à la fin pour les élèves. Bon, pour tout en cas, bon, je trouvais que finalement, la petite vidéo sur la présentation de l'expo était pas mal, parce que l'année dernière, l'expo avait encore lieu. J'ai certains de mes élèves qui sont allés voir l'expo à Paris avec leurs parents par la suite. Bon, voilà, ça peut donner envie. Là encore, donc, il suffit d'aller sur le site signifi.com, donc c'est le site sur lequel nous sommes allés pour enregistrer le mot de passe. Quand vous tapez juste signifi.com, on vous demande d'entrer l'URL, d'entrer
rentrez le mot de passe que vous avez choisi et vous générez donc un lien. Alors, la chose à laquelle il faut vraiment penser, parce que moi je ne l'ai pas fait, c'est que ce lien, si vous ne l'enregistrez pas quelque part, eh bien, vous n'avez plus pour l'année suivante. Moi, je prends l'habitude d'enregistrer sur le MD du collège le problème, donc, pédagogique, excusez-moi, je commence à vite fait, le problème, c'est d'une année sur l'autre, eh bien, ça disparaît. Donc, en fait, mon lien de l'année dernière a disparu. Il a fallu que je retourne sur Synfy, que je re-rentre l'URL de ma vidéo tout en camon, enfin, de la vidéo tout en camon, que je... Voilà. C'est pour ça que si j'enregistre la vidéo, c'est plus une URL. Je ne peux plus avoir ce lien Synfy. Mais tu es sûr tu peux pas conserver les ressources d'une année sur l'autre? Non, mais Synfy ne me permet pas. Non, mais là, t'es sûr? L'idée de Synfy, c'est si tu veux. Droite, on peut pas. Non, alors conserver ces ressources-là d'une année sur l'autre, de toute façon, ça, c'est pas un souci. Cette fois-ci, je vais me copier-coller ce lien. Mais par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, à partir du moment où on télécharge la vidéo, ce n'est plus. On peut la regarder en ligne. Donc, c'est plus une URL, tu comprends? Et si c'est plus une URL, je ne peux pas la mettre sur Synfy. Tu peux la mettre, tu la sors de YouTube, tu la mets chez Vimeo. Mais tu n'auras pas la pub. L'idée là, si tu veux, c'est que ce soit le mot de passe qui permette d'accéder à la vidéo finale. Oui, c'est pareil. Il faut qu'elle soit en ligne quelque part, surtout. Il faut qu'elle soit en ligne quelque part. Oui, il faut qu'elle soit en ligne quelque part. Donc à ce moment-là, oui, éventuellement, je pourrais la remettre en ligne sur YouTube, mais cette fois-ci sur ma bibliothèque à moi, par exemple, sur mon compte à moi. Par un petit blog, là. Voilà, il y a des possibilités, effectivement. Donc, voilà, donc là, le mot de passe, etc. Donc, je vous ai mis ici le lien pour, le mot de passe. Et je termine par, je récapitule là, je vous ai mis rapidement parce qu'on a plus beaucoup de temps. Bien pensé, voilà, 15 jours auparavant, j'annonce la Skate Game, je publie sur le Skate Text le lien pour accéder au diaporama révisé. Dans le même temps, j'affiche le teasers en classe et je les encourage à bien réviser en vue de l'escape game. Éventuellement, je peux créer un QCM sur Pronote pour vérifier qu'ils sachent bien, qu'ils aient bien retenu l'essentiel. Le jour J, les 15 élèves sont répartis en 3 de ce groupe. Je lance la vidéo teasing, je distribue les énigmes, j'ai mis en route mon compte à rebours, je suis le maître du jeu, je circule entre les groupes et j'interviens quand ils ont besoin d'aide. Le cours suivant, je peux faire une petite interrupteur pour vérifier ce qui a été retenu, par exemple. C'est une des possibilités. Mais voilà, ça c'est. Donc je vous laisserai regarder la suite parce que peut-être si vous avez encore des questions. Là c'était, j'expliquais simplement que pour moi c'était prématuré évidemment de me prononcer parce que justement j'ai des choses qui ont été un peu trop ambitieuses, par exemple sur celui qui s'intitulait Ce qu'il nous reste des Grecs. Donc, et puis ce modèle risque de lasser les élèves, il va falloir que je rebondisse et que j'innove. Mais quand même, j'ai trouvé des élèves qui sont volontaires, qui sont enthousiastes, qui prennent l'habitude de coopérer, qui sont parfois surpris des réussites des uns et des autres, de l'à-propos de certains d'entre eux, qui ne sont pas forcément très performants en classe et qui tout d'un coup se retrouvent dans cette situation plus à l'aise, etc. Donc je les ai trouvés, effectivement, bien sûr, plus motivés et plus à l'écoute. Voilà. Je vous remercie. Et je supplémentaires à me demander parce que j'ai essayé de ne rien oublier, mais peut-être que je suis passée à côté de certaines choses. Du coup, au niveau des escape games, à chaque fois, c'est juste un tout petit bout du programme, c'est jamais sur une séquence complète. Qu'est-ce que tu appelles sur une séquence complète? Par exemple, là, tu aurais pu prendre carrément tout le thème, premières étapes, premières écritures, et là, tu as pris juste l'angle. Alors, oui, non, mais j'aurais pu prendre ça. Sinon, parfois, quand en cinquième, c'est quand je fais prévenir les risques technologiques, c'est toute la séquence là. C'est-à-dire que. Et j'arrive à traiter toute la séquence sous la forme d'un essai? Je sais pertinemment que je risque de ne pas avoir le temps. Alors, je vais essayer de trouver ça. Je vais me remettre. Je sais pertinemment que je risque de ne pas avoir le temps de le faire. Je crois que c'est le dernier de fin d'année, c'est ça. C'est un parti pris. Après, quand on prépare un cours, c'est toujours un parti pris. Donc, escape game 5e. Voilà. Non, je ne vais pas faire éviter parce que tout le monde est à la présentation, pardon.
diaporama que je redistribue auparavant. Donc là, j'ai fait les objectifs de la présentation. J'ai défini un risque industriel et technologique. Tu vois là, pour le coup, je ne traite pas des risques naturels. J'ai fait que sur les risques industriels et technologiques. Donc des sociétés et des territoires dont je suis exposée, lorsque les risques surviennent. Donc alors tout ça, il y a des liens partout. J'ai continué avec le petit indice SQL sous cette forme-là, tu vois, à chaque fois. Ici, donc, j'ai fait une inégale exposition au risque. Il y a un petit indice SQL. J'essaye, voilà. Et les mesures et les acteurs de la prévention, voilà, le petit indice. Mais du coup, quand ils ont les diapos, ils n'ont pas tendance à se jeter sur l'indice SQL et à pas lire le reste. Peut-être. Pour l'instant, c'est probable. C'est la limite. Alors, c'est la limite du travail si après, on laisse tout tomber. C'est-à-dire que pour l'instant, j'avoue que l'année dernière, je n'avais pas encore, j'étais pas encore à fond sur les clickers. Mais là, cette année, mon objectif, c'est de finaliser en faisant ces petites interro clickers, en leur disant là, pour le coup, vous reprenez le diaporama, vous révisez bien, parce qu'il y a des choses dans le diaporama qu'on n'a pas utilisé pour les scale game, mais moi je peux vous poser des questions dessus. D'accord. Voilà. Et c'est pareil sous forme de mots croisés, alors, vous connaissez Clickers, non? Non, mais enfin pour les scale game, en fait, pour lui-même, mais ça peut être Ah oui, non, mais les scale game, je fais toujours la même chose. D'accord. Alors, ça peut être des types d'énigmes différentes, mais pour l'instant, mon modèle, c'est mon croisé. Voilà, je n'ai pas. Enfin, je peux chercher si tu veux te montrer après ce que j'ai fait là-dessus. Je crois que le mot de passe, le mot final à trouver, ça devait être Tchernobyl, je crois. Voilà. Donc là, il y a un.